Catherine Deneuve est en colère et elle veut le faire savoir. Dans une lettre ouverte publiée dans le journal Télérama ce mercredi, la comédienne dit tout le mal qu'elle pense du documentaire sur sa vie, diffusé dans le cadre de l'émission Un jour un destin. Un portrait superficiel et morbide à souhait, un enterrement de première classe, voilà comment Catherine Deneuve décrit le numéro de Un jour un destin qui lui était consacré sur France 2 le 25 novembre dernier. Selon l'actrice, sa vie a été survolée et Laurent Delahousse n'a voulu retenir que les moments les plus dramatiques. Elle souligne notamment le traitement de l'accident de voiture mortelle de sa sœur Françoise d'Orléac. L'actrice n'a pas supporté les vraies images du drame à l'écran. Elle fustige également la présence de certaines personnes venues commenter sa carrière. Des gens que je n'ai pas vus depuis plusieurs décennies et qui me connaissent à peine. Catherine Deneuve conclut sa missive en s'adressant directement à Laurent Delahousse. « Vous l'avez produit ce film, visionné et commenté, cela me sera toujours insupportable. Abstenez-vous peut-être d'une deuxième partie que vous avez annoncée. »